compositeur, arrangeur. Donc aujourd'hui, j'étais là déjà en 2010 pour le festival Assalamu Alaikum avec Monza, qui m'avait fait confiance, qui m'avait invité avec La Fouine et tous les autres. Alors c'est vrai que certains me confondent avec La Fouine, mais je ne suis pas avec La Fouine, je suis. J'ai un peu peut-être là, ouais, la barbichette, le style. Mais bon, alors je suis invité par Monza et Scorpa, surtout Scorpa, donc je serai son Didier sur la scène. Et peut-être certainement sur la deuxième partie du festival, Alaykoum Salam, avec Viviane Chédid, qui est une sœur à moi qui doit être là. Donc, en tant qu'artiste, donc je souhaite la bienvenue à tous les autres artistes que, bon, comme Tunisiano, que je viens de voir pour la première fois, direct là. Donc, Scorpa, lui, c'est un jeune frère, on se connaît depuis pas mal de temps. Et mes amis du hip-hop sénégalais, comme Matador, qui est quelqu'un de très respecté au Sénégal et je pense aussi en dehors des frontières du Sénégal. Alors merci à Monza d'abord, parce qu'aujourd'hui on est dans un pays où la culture est vraiment. Alors c'est sur une balance. Alors le hip-hop est laissé en rade, comme l'a dit tout à l'heure Matador. Surtout que d'après mes infos, que il y a un budget de 1 milliard de guia pour le ministère de la Culture. Alors on ne sait pas cet argent-là, ça passe où. On a un peu ce problème-là au Sénégal avec la culture. Mais je pense que les choses là-bas vont avancer, elles avancent. Alors, donc, il faudrait encourager, je pense, des jeunes comme Monza, qui a commencé le hip-hop avec moi. Je vois qu'il a le soutien du Centre culturel français. Et ça, vraiment, il faudrait vraiment saluer ça et remercier. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'ambassade de France en Mauritanie ni de CCF, je pense qu'on n'aurait pas eu toute cette opportunité. Alors, il faudrait que les gens se réveillent, il faudrait que les gens se mettent au boulot. Alors, ce n'est pas aller faire des grèves ou je veux dire, du vandalisme ou du banditisme. Alors, le rap, ce n'est pas synonyme de ça. Il faudrait vraiment multiplier des festivals comme Assalamu Alaikum. Je vois qu'il y en a un peu partout, à Rosso. Donc se lever et vraiment faire dire aux gens que le hip-hop, la culture, c'est tout ce qu'on a. Alors la culture, la musique, que ce soit le graffiti, que ce soit le slam, que ce soit les artistes plasticiens, c'est ce qu'on a, c'est notre propriété intellectuelle. Hein. Et vraiment, il faudrait vraiment que les gens se réveillent et qu'on ait au moins, ne serait-ce une banque mauritanienne des droits d'auteur. Parce que l'artiste, c'est tout ce qu'il a. C'est après, jusqu'à sa vieillesse, que ce soit ses enfants, tous les trucs qui sont les droits d'auteur. C'est l'artiste, c'est tout ce qu'il a, quoi. Donc vraiment, encore une fois, merci à Monza, merci au CCF, merci à tous les artistes d'être là.